pourquoi pas une remise de Cheikh Diabaté. Cheikh Diabaté avec Thomas Touré, la frappe de Thomas Touré. Oui, depuis le début, depuis que je suis petit, je commençais à l'école de foot à l'UACBO, Can La Boca. Après, en poussant, je me suis mis au tennis aussi, je faisais les deux. Pendant un an et demi, après, j'ai arrêté le tennis. Puis après, en Benjamin, j'ai décidé d'aller jouer pour les SCAN. J'ai joué jusqu'en U17 nationaux. Et après, j'ai rejoint le club au centre de formation en U19. Et depuis là, c'est ma cinquième année, je suis toujours là. Après mon année de U17 nationaux, j'avais eu des clubs, notamment Nice qui était plus près de chez moi. Mais non, je suis venu visiter les installations et j'ai rencontré aussi le coach de U19. Et non, ça m'a plu et j'ai beaucoup aimé son discours. C'est ça qui m'a permis de rejoindre le club. Puis voilà, après, ça n'a pas toujours été facile, mais on a su s'accrocher. J'étais avec Patrick Battiston, avec qui j'ai fait 3 ans. Et voilà, maintenant, je suis ici. C'est sûr que je le vis bien. Après, faut toujours continuer à travailler. Faut pas se relâcher ou rester sur des acquis. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours aux entraînements, continuer de bosser, écouter les conseils que me donne le coach et les adjoints aussi pour pouvoir évoluer et gagner en maturité. On y va un peu plus fort. Allez, voilà. C'est l'héro. Bon. Allez. Pousse. Après, je pense que le coach ne me connaissait pas et c'est tout à fait normal puisque j'étais avec la CFA, lui était avec les espoirs. Et voilà, après il a décidé de m'emmener avec lui pour faire le stage de préparation pour voir ce qu'il allait en être avec moi. Et voilà, après le stage, il a décidé de me garder dans le groupe avec les autres joueurs. Et voilà, après j'ai continué à bosser, et puis pour l'instant, ça se passe bien avec le coach. C'était ma première année quand j'étais encore en 19 nationaux, quand il y avait Tigana qui venait de quitter le club. C'était Eric Bédo qui avait repris l'équipe avec Philippe Lucas. Et je revenais de sélection et j'étais tranquillement au centre de formation quand le coach Lucas m'avait appelé pour que je vienne m'entraîner avec les pros. Non, c'est sûr qu'après c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et voilà, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, la preuve je ne l'ai pas oublié, mais c'est vrai que ça commence à remonter un petit moment. Titulaire quand ça tient la première fois cette année.
pas de pression particulière. Après, on savait que voilà, il fallait faire un bon match. Il fallait aussi prouver au coach qu'il pouvait compter sur nous sur un match de 90 minutes. Pas lui montrer qu'on était seulement des joueurs qui pouvaient rentrer 15, 20, 25 minutes dans un match. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec tous les autres jeunes aussi, parce qu'il y avait Younes qui était titulaire ce jour-là. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après pour moi, ça a plutôt bien marché, surtout que j'ai eu de la chance qu'à mon poste, il y avait aussi beaucoup de blessés. Et voilà, depuis, on essaie d'enchaîner les prestations. Non, on n'y est jamais. Voilà, moi, je sais que je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Et voilà, je suis conscient de mes qualités comme de mes défauts. Et je sais ce qu'il va falloir améliorer puis aussi garder dans mon jeu pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans cette équipe et enchaîner les matchs. Plein de petites choses, perdre moins de ballons, gagner en maturité, savoir faire la différence entre les temps forts et les temps faibles. Et voilà, après c'est des choses qui viendront avec le nombre de matchs joués qui s'acquériront avec l'expérience. Oui, j'en ai, celui-là, c'est que je dois quand même en avoir certaines. Après non, moi je dirais que j'apporte un peu ce petit brin de jeunesse, cette petite folie. D'un joueur qui se pose pas de questions, qui réfléchit mais sans trop réfléchir non plus. Ouais, et voilà. Encore à l'instinct, quoi. Voilà, et je pense que c'est ça qui fait que je suis un peu imprévisible et qui déstabilise un peu l'adversaire. Non, franchement, il n'y a pas de position idéale. C'est surtout, comme je dis, c'est un peu à l'instinct. C'est sur le moment, quoi. Je sais pas, sur le moment, je peux me dire, voilà, j'ai envie de tenter un passement de jambe, on va le tenter. Et voilà, je me dis que si je perds la balle, je vais tout faire pour le récupérer. Après, si je pense pas, quand je veux tenter quelque chose, je pense pas forcément à perdre la balle, je pense à la réussite. Après, si ça passe pas, ben tant pis, on sait que derrière, il va falloir faire les efforts pour récupérer la balle et pour rattraper son erreur, mais non, c'est pas forcément quelque chose que c'est pas des, en fait je me pose pas trop de questions, je dirais pas que c'est naturel, mais ouais, c'est, on va dire que c'est la fougue de la jeunesse. Moi, je me suis le ballon dès que j'étais petit. Après non, même dès que j'étais petit, des amis à moi on était trois quand j'étais jeune. On jouait en débutant à la base et on allait souvent, après, on jouait nos matchs en débutant et après nos matchs en débutant, on allait jouer avec les poussins. Et déjà avec les poussins, ben moi je prenais le ballon et quand j'étais encore débutant, je dribblais tout le monde. Et voilà, moi je pensais qu'à marquer, j'étais jeune, j'étais petit, voilà, c'était le foot, c'était un rêve, quoi. Et je pensais qu'à marquer, même mes copains me disaient non, c'est bon, t'abuses, t'as déjà marqué, tu peux nous faire la passe, tout ça. Et non, moi, je continue à marquer, je voulais marquer le plus de buts possible. Et non, ça, je pense que ça vient de là. Après, voilà, c'est sûr que d'où je viens, on a beaucoup joué au foot. J'ai grandi dans un quartier, on était souvent une dizaine à vouloir jouer au foot. On avait notre petit stade, tout ça, et on jouait souvent. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Allez, loin devant, pourquoi pas une remise de Cheikh Diabaté. Cheikh Diabaté avec Thomas Touré, la frappe de Thomas Touré, ouais. Le but de Thomas Touré à la dernière minute de jeu. Qu'est-ce que c'est beau. Quel magnifique but. C'est le petit jeune qui débloque la situation. Pas de réflexion, c'est instinctif. Après voilà, j'ai de la chance, ça va au fond des filets, ça aurait pu passer 10 mètres au-dessus comme à côté. Non, ça va au fond, ça m'a fait du bien et ça nous a fait du bien aussi. Oui, parce qu'on rappelle que
victoire, ça donne 3 points. Et puis quel but quand même. Tu l'as revu là, j'imagine. Ouais, je l'ai revu, ouais. Ah, c'est vrai que c'est un beau but, c'est un très joli but pour un premier but en pro. Là, ils ont 3 occasions nettes là en 5 minutes. Allez, pour Thomas Touré, qui s'ajuste. Ouais. Et à l'ouverture du score, Thomas Touré. Ouais. Les Marseillais vont râler les Marseillais là, parce que il y avait une faute sur Mendy au départ de l'action. Récupération haute, Wabi qui va presser Mendy, on récupère la balle. Après, il y a tout le travail de Maurice Bellet qui fait un gros travail pour me décaler. Et voilà, après, bon, on m'a toujours dit que de mettre du côté où ça venait. Et c'est ce que je fais. Mandanda, il anticipe un peu rapidement de l'autre côté. Après, voilà, moi, le Vélodrome, j'allais souvent quand j'étais petit. C'est pas très loin de chez moi. J'allais souvent quand j'étais petit. En plus, c'était le nouveau Vélodrome, il y avait une grosse ambiance, tout ça. Non, il y avait de quoi exulter. En plus, il y avait ma mère dans les tribunes, ça, donc je pense que ça lui a fait plaisir. Le jeu se poursuit, il y a eu deux hommes à terre, mais le jeu se poursuit sur phase de réparation. La tête de Tchèque, le but. Oui, l'égalisation, le Tchèque a batté. Une occasion, un but. Bon travail de Thomas sur le côté. Thomas, il fait un truc extraordinaire. Ouais. Il y a Thomas qui fait un bon travail, qui fixe. Oh oui. Et il est tout seul, hein, Tchèque Abate. Oui. Il est tout seul. C'est une partie de mon jeu qui fonctionne bien, surtout en ce moment. Après voilà, si on peut permettre à un coéquipier qui est bien positionné de marquer, ben c'est aussi important que de marquer. Donc voilà, on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Objectif perso, non, marquer le plus de buts possible pour l'équipe. Après, objectif perso, ce serait surtout d'enchaîner les matchs, de continuer à progresser. On voit que Paris à Marseille, c'est un peu au-dessus cette année. Après, même si on n'a pas démérité à Marseille, hein, c'est quand même un peu au-dessus. On voit qu'ils maintiennent un train assez élevé. Et voilà, nous, on est derrière, on est en embuscade, on essaie de s'accrocher avec 2-3 équipes. Et voilà, ça serait de finir. On va essayer d'accrocher cette troisième place derrière ces deux gros-là. Pour l'instant, j'ai toujours mis un an. Après, il y a des très bonnes discussions qui sont entamées avec le club. Et moi, j'ai envie de prolonger, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Après, en plus, nouveau stade, voilà, de grandes ambitions. Pourquoi pas l'Europe l'année prochaine. Et voilà, il y a tout pour que Bordeaux redevienne un très grand club de France. Donc Thomas Touré toujours en marine et blanc pour l'année qui arrive de toute façon. Ben normalement oui, après non, c'est oui. Toujours en marine et blanc.